Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui, enfin, pour le concours des 10 ans sur YouTube. Comme chaque année, pour l'anniversaire, en principe, je fais un concours à Noël et un concours pour l'anniversaire de la chaîne, qui est normalement fin août, début septembre, mais en principe, je le fais fin juillet, début août, pour pas que ce soit trop proche. C'est vraiment pour couper l'année avec les deux concours. Là, je l'ai lancé un petit peu plus tard parce que j'ai mis du temps à me décider sur la palette que j'allais vous commander. Mais voilà, donc on se retrouve, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. C'est énorme! Je crois que c'est la plus longue passion que j'ai eue dans ma vie. Je crois que j'ai jamais tenu une passion aussi longue. Mais j'aime toujours autant ça et je vous remercie du fond du cœur. On est de plus en plus nombreux, même si ça met un temps fou à monter chez moi. Hein, en 4 ans, 4000, en 10 ans, 4000 abonnés, c'est très peu. Mais l'algorithme YouTube ne m'aime pas. Donc, il faut se faire une raison. Je monte pas très vite. Je monte. Et j'ai des très bons abonnés. Vous êtes des personnes en or. Et j'essaie toujours de faire les concours avec le cœur, avec mon portefeuille aussi. Et j'essaie toujours de vous mettre des produits que j'aime beaucoup ou des choses comme ça. Voilà. Donc on va d'abord passer aux conditions et ensuite je vous montre le lot. Alors, bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne. Logique. Likez la vidéo. Mettre un petit commentaire avec un emoji d'anniversaire. Alors, mettez pas des jeux participes, je les supprimerai d'office. Parce qu'il y en a, à chaque fois que je le dis dans la vidéo, il y en a quand même qui le mettent et qui remplissent pas le formulaire. Donc, c'est les gens qui voient juste concours et qui mettent je participe en barre d'infos. Voilà, non, je vais bloquer d'ailleurs le je participe, je crois. Et remplir le Google Form qui se trouve donc en barre d'infos. Voilà. Tout simplement, la gagnante ou le gagnant sera averti par mail par mes soins. Donc, venez pas non plus me demander quand est-ce que le concours se termine. Tout est toujours dit dans la vidéo. Faut l'écouter. Bref. Donc, facultatif, mais fortement apprécié, partagez le concours, bien évidemment. Et me suivre sur Insta et ou TikTok, c'est comme vous voulez. Vous avez les liens en barre d'infos. Donc, le concours est ouvert jusqu'au 4 septembre à minuit. Je l'ai fait jusqu'en septembre, quand même début septembre. Normalement, je voulais le finir une semaine plus tôt, mais je me suis dit comme ça, les gens qui rentrent de vacances fin août ont quand même le temps de participer. J'essaie de penser à tout le monde, les gens. Il est ouvert à la France métropolitaine, à la Belgique et au Luxembourg, comme d'habitude. Et le lot sera envoyé par Mondial Relais, comme d'habitude, hein, puisque je paye l'envoi du lot aussi par mes propres moyens et ça revient vite cher. Et donc, la gagnante, quand je lui enverrai le mail, il faudra que je lui demande, enfin là ou le, des infos personnelles, mais bien sûr, elles ne seront pas conservées une fois que le lot aura été réceptionné. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au lot. Et comme je vous l'ai dit, j'essaye vraiment d'y mettre mon cœur, de mettre des produits que j'aime ou que j'ai découverts. Voilà. Alors, on va commencer avec Nox, qui avait gentiment accepté de me mettre deux parfums de 50 ml pour vous, puisque moi, il m'avait proposé un partenariat, mais on a assez de parfums pour l'instant, enfin, quoi que les garçons commencent à retomber à court, donc j'attends le prochain partenariat. Deux parfums de 50 ml pour vous, donc je vais vous donner, de toute façon, je laisse l'étiquette dedans avec les numéros, et ils ont également accepté de me mettre un parfum avec le flacon vintage. Voilà, donc bien sûr, celui-là, je vais l'emballer dans du papier bulle, hein, parce que j'ai pas envie qu'il casse. Donc, vous aurez quand même trois parfums de chez Nox. Donc, dedans, il y a le Daisy de Marc Jacobs, le Miss Dior et le Ultraviolet de Paco Rabanne. Je vous avais demandé vos parfums préférés. Et le Daisy et le Miss Dior, c'était ceux qui étaient le plus ressortis. Et le Ultraviolet, je vous l'ai mis parce que c'est un des derniers que j'ai reçu de la marque et que j'aime beaucoup. Voilà pour Nox. Ensuite, je vous ai mis une petite déco que j'avais achetée en double sur Chine. Hein, donc voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est des petites ailes d'ange. C'est un ruban et vous avez en dessous un petit grelot avec des petites étoiles et tout ça, c'est très joli. Moi, j'ai le mien qui est pendu là au-dessus de mon bureau. C'est très joli et ça vous va très bien. Alors, je vais prendre un peu au pif, hein, parce que c'est un bordel sans nom là-dedans.
Je vous mets une petite bougie Jewel Candle Red Raspberry, framboise rouge. Voilà. La crème, enfin c'est un gel plutôt, Watermelon Wave, enfin à l'acide hyaluronique de chez W7, donc qui est à la pastèque, vous savez que je l'aime beaucoup. Je vous mets les deux petits, donc c'est le vernis et le top coat de chez Essence que j'avais eu dans le calendrier de l'avant, à Essence tout simplement. Voilà, moi je n'utilise pas de vernis classique, donc je vous les mets toujours dans les concours. Le What the Fake Plumper que j'aime beaucoup de chez Essence. Le petit savon de chez Beauty Bay, je l'avais eu en cadeau et moi je n'utilise plus de savon. Et quand j'utilise du savon, j'utilise le Pierce. Ça c'est trop petit pour moi, mais je vous le mets. Le petit peigne que j'avais eu avec mon miroir sur Chine. Moi le peigne m'intéressait pas, mais il est trop mignon avec sa petite patoune. Voilà, moi je voulais juste le miroir, mais du coup le peigne, je m'étais dit, il ira pour vous. J'ai une problème. Un lot de lacets pour les cheveux taille une graine. La petite trousse que j'avais fait avec les pinceaux Super Nana. Voilà, vous aurez. Vous pourrez penser à nous. Pinceau de chez Révolution Ultra Contour Foundation, donc pareil, hein, ça j'avais eu gratuit, mais sur Plus des Chefs, je crois, mais j'utilise pas ce genre de pinceau. Les pinceaux, il y en a d'autres, hein, je crois, mais je sais pas où. Un petit serre-tête couronne pour aller avec le thème de la chaîne. Un petit gel douche à la mangue de chez The Body Shop. Donc ça, je l'avais reçu dans le colis de la part de Nico, mais je n'aime pas la mangue, donc je lui avais dit que je vous le mettrais. L'indispensable, oui, les cheveux aussi. Voilà. Un spray Prime and Infuse, donc c'est un spray base de teint, quoi, à la coco de chez Primark. Les petites éponges Friends de chez Révolution. Qu'est-ce que vous êtes, mes Friends? Le lip mask et le lip scrub au watermelon de chez Boozy Shop. Voilà, comme ça, vous avez le combo. Un petit pinceau éventail de chez Boozy Shop. Donc ça, c'est des cadeaux gratuits que je prends toujours pour vous, hein, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Dans la dégustation avec Sam, si jamais vous ne l'avez pas vu, on avait reçu le tapioca comme ça pour faire du bubble tea. Moi, j'aime pas le bubble tea, puis de toute façon, je sais pas comment trop utiliser ce genre de truc-là, mais je vous le mets. Il y a 250 grammes. Donc, si vous aimez le bubble tea, vous avez de quoi vous faire plaisir. Un petit masque avec des couronnes pour faire dodo que j'avais eu avec mon pyjama. Vous avez également le scrub Friends et Révolution. Donc, c'est au cappuccino, les gens. Et vous avez le gobelet qui est réutilisable. Donc, je l'ai pris pour moi pendant les soldes et j'étais obligée de prendre pour vous. Le sérum de chez Catrice à la rose Belle. Donc c'était avec la collection Disney Belle, avec des petits pétales de rose à l'intérieur. Quand Maryse m'avait envoyé des colis, il y avait le dernier colis, il y avait quelques petites choses que j'avais dit que je mettrais pour vous. Il y a le fond de teint poudre en teinte beige neutrale avec un SPF de 50. Donc voilà, moi j'ai gardé l'autre qui est plus adapté à ma teinte. Donc il n'y a plus les boîtes dans ce qu'elle m'a envoyé, mais les produits sont neufs. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle enlève les boîtes d'ailleurs. Marie, si tu passes par là, n'hésite pas à répondre à ma question. Il y avait également. Alors attendez, je vais essayer de choper le deuxième. Je ne le trouve pas. Ah, celui-là. Un mini rouge à lèvres MAC, c'est le Ruby Woo, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est un rouge. Moi, je ne mets pas trop de rouge. Et il y avait également le mini Pillow Talk que, de Charlotte Tilbury, que moi, j'ai en grand format. Donc, voilà. Bien sûr, ils sont neufs. Hein. Il manque juste les boîtes. Maryse et sa passion, j'enlève les boîtes. Il y avait également la Upsy 16, donc avec 16 phares. Moi, j'ai la toute grande. J'avais hésité à vous prendre les deux grandes comme cadeau du concours, mais du coup, comme elle a envoyé celle-là, qui est neuve et... elle est arrivée pour que je revende. Je me suis dit, autant vous la faire gagner. Il
Il y a les deux baumes à lèvres à la banane et à la fraise de chez Action. Donc moi j'ai gardé un tchac et je vous ai mis un tchac. Produit lait, vous êtes servis. Hein. Je vous ai pris, si vous suivez mes hauls, vous avez vu que je m'étais commandé pour moi, mais que du coup je vous les mets pour vous. Les pinceaux de chez Essence Cute as Shell. La pochette est magnifique. Moi, c'est vraiment la pochette qui m'a fait craquer. Mais je prends toujours les pinceaux Essence. Mais là, c'est des mini. Alors, oui, moi, je lis toujours. Je lis pas, en fait. Je le vois qu'une fois que j'ai reçu. Et je les tiens pas assez bien en main. Ça me fait trop mal les mains, les mini pinceaux. Par contre, c'est pratique quand vous avez des lunettes et que vous voulez pas être trop loin de votre miroir. Mais voilà, la trousse, c'est juste magnifique. Franchement, très beau. Dommage qu'ils étaient en mini. Mais ça vous fait un cadeau. Attendez, je sais plus la ranger. Voilà. Et du coup, pareil, j'avais pris pour moi, mais du coup, je vous le mets pour vous. J'avais pris le blush lighter qui va avec. Il est très joli, mais comme ça, vous avez les deux pièces de la collection que j'avais commandées. Bien sûr, j'étais obligée de vous mettre un split liner de chez Glisten. Voilà, je les adore. Là, c'est le warm. J'avais pris celui-là. Au départ, je voulais vous prendre le pastel, hein, je vous l'avais déjà dit. Mais celui-ci était en promo vachement moins cher, donc du coup, je vous ai pris celui-ci. Mais les couleurs sont idéales. De toute façon, vous pouvez faire plein de choses avec. Et le dernier produit, et pas des moindres, je vous ai dit, les palettes, j'ai largement hésité. J'hésitais au départ entre la Antidote 3 et la 669 de Martine. Mais c'était pas des nouveautés et... du coup, je me suis dit, il y a déjà beaucoup de monde qui risque d'avoir au moins une des deux. Et récemment, j'ai crash testé une palette de chez Lethal Cosmetics. C'est un prix assez conséquent aussi. Et je me suis dit que du coup, j'allais vous la prendre pour vous avec. Voilà, donc je vous la montre. Je vous remets le crash test en barre d'infos. J'ai profité bien évidemment d'une promo pour l'acheter, hein, parce qu'elle n'est pas donnée. Donc voilà les teintes, vous avez des magnifiques duochromes dedans. Voilà. Donc c'était le dernier article pour le concours, mais ça fait déjà pas mal de choses. Sans oublier que je paye mes produits ou que je les reçois gratuits avec mes commandes, mais voilà, je paye mes produits. J'espère juste que ça vous plaît. Voilà, j'essaye toujours de vous gâter au maximum. Et je trouve toujours que c'est pas assez, mais comme je disais aux filles, on paye nous-mêmes nos produits. Pourtant, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez pour vous, parce que ben, si on en est là, c'est grâce à vous. Hein. Si j'ai une monétisation régulière, si petite soit-elle, c'est grâce à vous. Si j'ai des échanges, c'est grâce à vous. Si j'ai toujours envie de faire les vidéos, c'est grâce à vous. Donc voilà, si j'arrive à avoir de temps en temps un petit partenariat, bon, je suis très sélective, hein. On m'en propose énormément, mais je n'accepte jamais. À part Nox, Desenio, des choses comme ça, Beauty Bay, c'est des trucs qui m'intéressent, mais j'accepte que les choses qui m'intéressent, j'accepte pas tout et n'importe quoi non plus, juste pour dire que j'ai reçu des produits gratos, ou que j'ai un code promo, les trois quarts du temps c'est du dropshipping, donc on s'en fout. Mais voilà, moi j'essaye vraiment de vous gâter le plus possible, autant que vous me gâtez quotidiennement, avec vos commentaires, vos pouces en l'air, et tout ça, donc n'oubliez pas de faire pareil sur cette vidéo, de remplir bien toutes les conditions et le formulaire. Et voilà, donc j'espère que l'eau vous plaît. J'ai toujours un peur hein, qu'il n'y ait pas assez, mais je crois qu'il y a quand même assez. Hein, là. Ouais. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Et ben, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.